Bonjour à tous, c'est Prédanator qui vous parle. Je voulais vous faire voir enfin ma PF finie sur son socle, enfin sur son estal, et vous faire voir un peu l'ensemble en essayant de vous montrer la PF dessus, enfin tout le tour, les petits détails que j'ai fait. Je m'approche tout doucement et je vais essayer de tourner avec la planche qui est en dessous. Ça, vous aurez une bonne vue de ce que j'ai fait. C'est parti. Après, je ferai un plan d'ensemble, comme ça vous pourrez voir. Et j'allumerai les LED, bien sûr. Pas évident, mais on va y arriver. Là, j'ai fait des photos, je ne sais pas si vous les avez vues, j'ai fait des photos hier soir avec mes LED allumés dans le noir et c'est vraiment superbe. On croirait vraiment des séquences tirées du film, quoi. Et j'ai mes LED vraiment qui donne bien quoi. Donc ça c'est vraiment le top. Je suis très content du résultat. Plus compliqué ça a été justement de mettre les fils dans la boîte. Mais enfin j'ai eu recours à mon frère Sébastien qui m'a donné un sacré coup de main pour pouvoir justement les mettre dans la boîte. Là vous pouvez voir les deux interrupteurs. Hop. Je refais un tour. Ben enfin, je suis vraiment satisfait quoi. J'ai mis 4 mois, je crois, à fabriquer l'idée déjà au départ. Et c'est vraiment une satisfaction. Voilà. On va y arriver. Ça, j'aurais fait le tour du socle. Hop, plan reculé. Là, je vous fais voir les balles que j'ai collées à la super glue, comme ça bouge pas. Là, je vais remonter tout doucement afin que vous voyez l'ensemble, bien sûr, de la PF. On remonte. Voilà. Donc je fais le tour. Tout cas, je remercie encore tout le monde, quoi. C'est vraiment sympa de m'avoir motivé comme ça et c'est fantastique quoi. C'est superbe. Là, je vais baisser mes persiennes puis allumer les LED. Comme ça, vous pourrez apprécier mieux la couleur des LED, bien sûr. Hop. Voilà. Je vais éteindre la lumière, bien sûr. Voilà. On va reculer un peu la PF pour avoir un plan d'ensemble un peu plus correct.
Donc là, les LED de la presse. Avec le terminateur derrière sa grille rouge. Bon, ça fait vraiment une superbe couleur, quoi. C'est vraiment un beau bleu avec les ombres et tout, c'est génial, quoi. Hop. Et les LED en surface. Donc. Voilà. Mais je ferai une autre vidéo dans le noir. Complet parce que là bon on voit les LED bien sûr mais c'est pas encore l'ambiance que je veux vous montrer quoi. Mais enfin c'est pour vous faire voir que le système fonctionne vachement bien et que ouais ça fait un halo de lumière bleue, c'est superbe. Une sacrée intensité de bleu en plus, c'est génial quoi. Mais dans le noir complet, ça donne encore mieux, quoi. Mais enfin, bon, là, c'est un peu aussi pour vous faire voir la base qui est complètement finie. Voilà. Tournez un peu, quand même, hein. Là c'est l'arrière, donc avec les 4 LED qui éclairent la presse. J'en connais beaucoup qui vont aimer, notamment Johan, Jar Jardos. BTTF, Darkside et encore plein d'autres dont j'ai pas les noms en tête, mais enfin celle-là elle est pas mal cette photo là, waouh, avec le bleu sur le visage de Schwarzy. Ah, c'est génial ça. Voilà, là je vous fais voir carrément le travail fini. C'est superbe. Avec les puces posées. Donc mes interrupteurs. Le haut est éteint. Et le bas. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir enfin la vidéo avec l'APF dessus. Et super, quoi, je suis vachement content, hyper content, fier, parce que bon, c'est un travail quand même de patience, de passion. Et voilà quoi. En tout cas, encore merci à tous ceux qui sont venus voir le topic. Ça fait super, super content, ouais, j'en bafouille. L'émotion peut-être.
et un gros plan sur Cyberdyne System. Merci à tous et bonne vidéo.